Salut les gens, c'est Masbande qui vous parle, comment ça va? Moi je vais super bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Half-Life 2 où on était en compagnie des fourmilions. Ouais oui, ça s'appelait comme ça, ouais, des fourmilions, allez, à côté des fourmis guépards et des fourmis panthères. C'est ça, ouais. T'espérais quoi, salope? Je suis juste d'avancer en fait, elles sont tellement lentes ces saloperies. Wouh! Eh, j'aime bien les passages en véhicule comme ça, c'était une bonne idée de la part des mecs qui ont fait Half-Life. Valve. Je peux oublier ce nom aussi, moi. What? Excusez-moi. Je reviens, hein. Pleine période de reproduction des fourmilions, pourquoi on les a pas éliminés, ces machines? Je te jure. Connerie, va. Ouais, ouais, c'est ça. Il ne fait que passer, t'as vu. Bon, bah, allons-y à fond, hein. Là, je suis à fond, hein. Je peux pas aller plus vite que ça. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ça ne marche pas. Bon, attendez, je vais recharger la partie, là. Non. Pourquoi je sors? Non mais sérieux, je vois pas ce qu'il faut faire là, si ça marche pas. Wouh! Allez hop. Là j'ai tout l'élan que je peux. Ta fuck. Non mais sérieux. Merci. Je jure. Eh oui, c'est ça. Oh, putain de fourmilion. Sérieux, je vais pouvoir passer par là, c'est le seul chemin. Allez, mais sérieux, non, mais quoi, vas-y. C'est lourd. J'arrive pas à faire ce saut. Ouais, c'est bien. Allez-y, sautez-moi la gueule. Vous êtes sûr que si j'ai aucune chance de réussir ça, comme vous disiez avant, c'est à cause des fourmilions et pas à cause de la route qui est complètement merdique? Regardez à quel point j'en ai rien à foutre de ces machines. What the fuck? Bon, au revoir. Mais bon, hein, ta gueule. Vous voyez pas que je suis dans un gros véhicule avec une énorme mitrailleuse dessus? Il faut que je vous le fasse comprendre, je vais vous le faire comprendre, moi. Un grand coup de mitrailleuse dans la gueule, ça va vous faire du bien. Non, il faut que je fasse ce saut. Je sais pas comment, ni pourquoi d'ailleurs. Mais je sais qu'il faut que je fasse ce saut. Ta gueule, la fourmilion là. Regardez-moi ça, je perds une vitesse folle ici. J'ai essayé de faire un espèce de... Oh, va te faire foutre, je recharge la partie, là, j'ai perdu énormément de vie pour rien du tout. Regarde-moi ça, je ne peux pas faire ce saut. Je ne peux pas. C'est impossible. Attendez, ça marche sur elle? Bah oui, ça marche sur elle. Ah ouais, ça marche. Allez, ça va. J'étais pas au courant, moi, que ça marchait. Bon, sérieux, ce saut est impossible à faire. Sérieux, à moins de le... Non, je peux pas. Je vais quand même essayer un truc, là, parce que je ne vois que ça. Ah. Ah, c'est ça, bonjour, les fourmilions. Excusez-moi, j'ai pas le temps. Ah, parce qu'en plus, elle me rentre dans le côté de la bagnole. Les salopes. Allez, allez, allez. Non, c'est impossible. Il n'y aurait pas cette espèce de montée de merde. Hein? Je pourrais le faire. Il n'y a pas de boost non plus. Il y a un tir secondaire là-dessus, tiens. Attendez, vous n'allez pas me dire que ce que je dois faire, c'est ça. Genre, reculer ici pour prendre de l'élan. Vous n'avez pas été débile à ce point-là, les mecs de chez Valve.
dit, apparemment vous avez été débile à ce moment-là. Hein. Sauf que c'est impossible à diriger en marche arrière. Allez, vas-y. Voilà comment on bouge la voiture quand elle est prise dans un embouteillage ou autre. Hein. On sort et on fout un coup de gravity gun dans la gueule de la voiture. Oh, les fourmilions, allez vous faire foutre là, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, ta gueule. Tu restes, tu te couches. Couchez. Couchez. Vous êtes chiante là. Vous êtes carrément chiante. Bon, le seul truc que je vois à faire ici, moi, c'est reculer sur cette espèce de petit ponton, ce qui me semble être casse-gueule au possible. Mais sérieux ? Allez. 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 Vous foutez de moi. Ah ça ouais, vous foutez de moi, mais un point. Allez, dégage de là. Bon, maintenant que je suis bien aligné. Je hais cette voiture. C'est officiel. Elle sert à rien. Je veux dire, une Renault 5 actuellement, c'est plus puissant que cette espèce de saloperie post-apocalyptique là. Regarde-moi ça. Un petit bout de bâton sur la route. Non, désolé, j'ai beau être un 4x4 absolument tout terrain, j'en ai rien à foutre, tu passeras pas. Fuck it. Bien. Non, je vais le faire à ma façon, hein. À reculons, ça marche pas visiblement. Allons-y, en marche avant. Ouais, en fait, ce que je fais là, ça sert à rien. Le seul point marrant là de ce passage, c'est de retourner à la voiture avec le gravity gun. Bon, là, elle veut pas se retourner, donc on va recharger la partie. Vous savez quoi? Cette partie-là me saoule déjà. Un point. Mais vous avez même pas idée. C'est pas possible de faire une chiasse pareille. Pas involontairement, en tout cas. C'est pas possible. Là, il le voulait. Il voulait que le joueur se fasse chier. Hein. Mais il y arrive bien, d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est ça. Allez donc bien vous faire foutre. Et on n'en parle plus, ok? Bon bah la seule solution c'est de faire ça. Mais non mais putain mais elle se bloque pour un rien cette saloperie. Oh mon dieu, est-ce que j'y serai arrivé? Allez hop. Alors là, je peux pas faire mieux. Hein. Et ça ne passe toujours pas. Fuck it. Retourne-toi, salope! Allez! Je crois que ce jeu me saoule de plus en plus. Je crois que je vais rage-quitte dans pas longtemps. Ça, vous rendez compte que ça fait 10 minutes que j'essaie de passer par-dessus un précipice de merde? J'ai battu un hélicoptère, mais je suis pas foutu de passer par-dessus un précipice. C'est pas les fourmilions qui te font chier, c'est le level design pourri des développeurs. Voilà ce qui fait chier. Ça ne passe pas, et en plus je me blesse.
Non mais GG quoi. Et à chaque fois que je tombe ici, il y a des tourmillions qui reviennent et qui me blessent un peu plus. Voilà. Je suis en train de perdre toute ma vie dans ce passage de merde. C'est cool, hein. Ah non, mais pour ceux qui aiment les vidéos où ils me voient rager, vous allez être servis les mecs, hein, parce que là... J'aimerais bien avoir la vue sur mon chrono. Plus vite j'arrêterai ce jeu, mieux je me porterai. Bon, excusez-moi les gens, là je vais vite aller voir quand même une vidéo de quelqu'un qui réalise ce passage précis pour voir comment il fait. Parce que là, j'en ai marre. Je vais pas passer 20 minutes à faire un tour là, on n'est pas sur un tour de ménage, on est dans un jeu. A tout de suite. Vous voulez un passage marrant ? Hein, le mec que j'ai regardé, il ne fait absolument rien. Il y va juste du premier coup et ça passe. Pas de problème. Alors, il passe comme ça, ouais. Ah. Il va ici. Ensuite, il arrive là. Et lui, ça passe. Et moi, pas. Et fuck it. Et je hais ce jeu. Pourquoi je me fais chier là? Je pourrais faire des trucs plus intéressants avec ma vie là, plutôt que de recommencer 10 fois un passage de merde qui n'a clairement pas été bêta testé. J'aimerais savoir qui est le concepteur de ces voitures post-apocalyptiques. Hein? Enfin, je veux dire, avec la Fiat Panda, avec la Fiat Panda de ma mère, on n'a jamais eu ce genre de problème. Ah, la voiture qui se retourne pour un rien. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas et j'arrête pas de me blesser comme une merde. Hein? Hop. En fait, je pense que c'est juste ça le truc. En fait, faut juste avoir une chance énorme. Hein? Je pense que je vais pas y arriver tout le long de la vidéo. Je vais faire que ça. Hein? Je vais faire que ce passage de merde et je vais pas y arriver. Regardez-moi ça. Hop là! Ça passe pas! Fuck it! Je vais recharger la partie à chaque fois, ça sert à rien. Hein? Alors maintenant, la vidéo va se résumer à ça, les gens. Moi qui essaye de passer par-dessus un précipice de merde, avec une voiture de merde, et des fourmilions de merde. Oui, je suis en train de rager comme un porc, là, mais il y a des raisons. Hein. Parce que regardez, n'importe quelle vidéo sur Half-Life 2, tous les mecs qui ont joué à ce passage arrivent à passer ça. Hein. Moi, je suis le seul trou du cul au monde qui galère comme un porc. Ouais, c'est ça, ça m'aide. Ça m'aide énormément que vous me ralentissiez en sautant contre la bagnole, bande de pute. Je vais essayer un petit saut sur le côté, là, non. Maintenant, on va essayer par l'autre côté, parce qu'on n'est plus à ça près. Eh oui, salope, c'est morte. Là, la salope qui m'a eu depuis le côté, hein, elle m'a pas aidé du tout. Non, non, la voiture, au lieu de faire comme ça, hein, parce qu'il y a de la vitesse quand même, elle fait tac, clac, ça y est, je suis en bas, va te faire foutre. Putain, y a pas un cheat pour voler dans Half-Life 2? Ben tiens, c'est pas con ça, on va aller regarder tout de suite. A plus les gens, je reviens. Ah, les gens, vous voulez connaître la meilleure blague de tous les temps? Ah, il dit bled. Dire. Enfin bref, la meilleure blague de tous les temps, c'est que la console ne marche pas. Bah alors, il n'y a plus de fourmillon. C'est ça que ça veut dire, Aïe Disabled. Ok. À la limite, presque tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Bah oui, effectivement, hein, vous êtes un peu disabled. Faut le dire quand même. Ça va? Ah ouais, complètement disabled, hein. Mais bon, bref, je ne peux rien faire, je ne peux pas progresser. C'est absolument impossible, ça ne peut pas passer. Donc si ça se trouve, ça va même arrêter cette série-là. Hein.
vu qu'apparemment je souffre d'un bug qui m'empêche totalement de passer. Je ne peux pas, regardez-moi ça, je suis à fond, je peux pas aller plus vite que ça. Alors, à moins que je puisse monter à pied, hein, ce dont je doute, quand même beaucoup. Non, non, je peux absolument pas monter à pied. Et c'est... je sais pas. Là, je vous avouerai que c'est le mystère absolu, ce jeu, hein. Pourquoi j'ai un aïe qui s'appelait d'attendre. Chargement. Pourquoi chargement? Comment ça, chargement? Da fuck. Ah, attendez. C'est quoi ce AI Disabled là? J'ai appuyé sur à peu près toutes les touches pour avoir la console. C'est peut-être ça qui a fait merder le truc, hein, je vous dirais. Not graph out of date, out of date rebuilding. Quoi? What? Je vais réappuyer sur toutes les touches, hein, je crois, parce que. Ouais, je vais réappuyer sur toutes les touches. Ah, Numlock fait pause, ok. Je suis en train de réappuyer sur toutes les touches de mon clavier. Ce qui n'a l'air de rien faire du tout. Ouais, là, c'est carrément bizarre. Il se passe des trucs avec ce jeu que je ne m'explique pas. Mais merde, j'ai enregistré la partie avec l'AI Disabled. Et j'ai fait planter Fraps. Bon, vous savez quoi, on va vraiment s'arrêter là, là, parce que ce jeu, il me saoule. Donc si la vidéo vous a plu, mais j'en doute, hein, franchement, parce qu'il s'est rien passé. Mine de bug, cette saloperie. Hein. Vous connaissez la chanson, mettre la vidéo en favori, réseaux sociaux, bla 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 bla, page Facebook, tout est dans la description de la vidéo, allez-y, allez, regarde. Voilà. Sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir, bye. Bon. Il est temps de préparer des pièges. De l'endurant, on peut faire ça. Faut pas chier, j'ai une pelle là.